Bienvenue en ce dernier vendredi saint. La crème est presque passée. Donc nous sommes bien le vendredi 28, dernier vendredi saint du mois d'avril 2017, s'il vous plaît. J'avais préparé la scène, mais trop fatigué, trop malade. Du Saint-Christophe, parce que c'est moi, dans mon immeuble, qui a eu les pigeons. Moi j'ai mis les tourterelles, ma faute, hein. Ça pour dire quoi? C'est pas Macron, mais c'est pas Le Pen. Ça pue le mariné, là. Le Macron en boîte, fermenté, là, ça. Ça sent le moisi. Bon, pour ce vendredi saint, je suis à l'instance sociale. Bonjour, maman, instance sociale. Mais je veux dire, récupérer des yaourts. Non, hier. La crème, mais c'est pas grave, faut pas crever comme ça. Déjà ce matin, ils m'ont dit t'inquiète pas, t'es déjà cueilli. Bon, c'est pas Macron, c'est pas Le Pen. Offrez aux Français une paire de couilles, c'est pas eux. Ça va pas. Puis on s'assime d'un coup l'eau. Quand tu t'assois sur l'extincteur, oh que j'ai peur. Quand tu t'enfiles un salami, oh qu'est-ce qu'on rit. Ça c'était les couilles sur un, quand on était passé aux 35 heures. Avec Lubriber, les 35 heures sans douleur. Avec Lubrigel, il y a tout qui passe dans la rondelle. Et pour vous les filles, avec Glisse-Tout-Charente, les 35 heures droit dans la fente, poète. Voilà, un en Christ et puis c'est tout. Tu prends le bocal ou tu prends pas? Tu comprends le bocal ou je sais pas, démerdez-vous, essentiel, essentiel, sensoriel. Il y en a marre. Je vais vous dire. Bah, peut-être que je m'en vais, parce que le 7 mai, sinon je me casse, sans déconner. Eh, je redescends pas tous les jours pour voir de la merde comme vous faites. Hein. Maintenant, il y en a marre. Hein. Oh. Continuez de voter pour des fils de pute, là. Oh. C'est quoi ce bordel, là? Pollution électromagnétique de mes couilles, là. La télé, ça nique le cerveau. Ça enlève l'esprit de famille. La guerre, ils enlèvent l'esprit des peuples. Et les cachetons, ils enlèvent l'esprit individuel. C'est pour ça que je prends pas de cachetons. Crever que je prendrais pas un cacheton, on m'a dit, oh, on va te soigner. Ouais, faudrait choper les mecs de la Croix-Rouge déjà peut-être.